Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le cinquième épisode de mon Let's Play sur l'acte 1 de Age of Mythology Extended Edition. Et donc, je vous avais laissé la dernière fois, on s'était fait un petit peu bait par les Troyens lors de l'attaque de la porte, et donc du coup, il avait fallu sauver notre poteau, je sais plus qui. Et là, pour le coup, ils ont attaqué le camp d'Agamemnon, et donc il faut qu'on aille aider Agamemnon du coup. On s'est fait un petit peu complètement bait par les Troyens. Sur ce, je vous propose de continuer la campagne. Allez, c'est parti! Pourvu que ça marche. Oui, j'espère que ça marchera. Je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est bizarre parce que marche, c'est pas... C'est pourvu que ça fonctionne. Si c'est un plan, ça marche pas, ça fonctionne. Et tous ceux qui s'y trouvent, ils ont brûlé notre nourriture et nos tentes et la plupart des navires. On aura de la chance si on parvient à s'enfuir. S'enfuir ? Nous venons de faire tomber une porte. L'heure est au combat et non à la fuite. Les Troyens ne vont pas attendre, et vont certainement attaquer d'un moment à l'autre. Pas s'ils croient que nous sommes partis. Poséidon est le seigneur des chevaux. À Atlantide, tout général vaincu restitue son cheval. Un cheval, oui, un grand cheval de bois. Je ne comprends pas. Il combattra ? Nous pouvons l'ériger rapidement, et nous n'aurons nul besoin de reconduire le siège. Arcanthos, je vais avoir besoin de vous. Bon bah du coup voilà, enfin, le plan d'Ulysse se met en place. Alors, attendez. Accumuler 1000 unités de bois pour construire le cheval de Troie. Mais easy ! 1000 unités, franchement, ils me prennent pour qui ? C'est totalement easy. 1000 unités de bois, moi je te fais ça au petit-déj. Hein. Alors, comme d'habitude, il faut commencer par... La création de villageois, la bonne création de villageois qu'on aime tous. Le truc particulièrement pas forcément agréable. Hop. Au niveau de la pop, je vais être vite limité, donc il faudra que je me méfie. Allez, allez, on va récolter de la bouffe. Et là-bas, il y a des bons petits bancs de poissons. Hop, on n'a pas énormément de nourriture en stock. Hop, déjà, on va les mettre sur ce groupe-là. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Je suppose qu'on va se faire attaquer, bien évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Il y a de l'or dans le coin. Oui, il y a de l'or. Ouf. Ok, donc là, il y a des prodromos moyens. Là, c'est plutôt safe. Il n'y a pas de passage. Je vais reconstruire un navire de pêche, je pense qu'on va être plutôt tranquillou. Là il y a de l'or, ce qui est intéressant. Ah oui, des grosses mines d'or, donc là il y a 12 000. Ne. Alors, ne ça veut dire oui en grec, hein, donc c'est pas comme s'il disait non. Ne ça veut dire oui et oshi ça veut dire non. Et d'ailleurs je crois que les hochements de la tête et tout ça sont inversés par rapport à nos conventions habituelles. C'est-à-dire qu'il faut hocher la tête pour dire non et... Je crois, hein, je suis pas sûr. Et secouer la tête de gauche à droite pour dire oui. Je crois, je suis pas sûr. Ouais. Il y a deux moutons. On va ramener les moutons ici avant que... Ouais, voilà. Ils ont plus de... Ah, c'est des chèvres. Et là, on va les ramener. Mais... Ah oui, j'appuie sur deux. Alors... Navire de pêche. Oula! Et ils m'ont tué des moutons. Enfin, des chèvres. Aux portes! Il faut alerter Troie! Beau travail! Si nous arrêtons ces éclaireurs, Troie n'attaquera pas. Ok, je suis d'accord. On va essayer de faire en sorte que 3 n'attaque pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais faire ça déjà, les renvoyer au boulot. Donc là, ils sont beaucoup. Ils vont être beaucoup sur la pauvre petite chèvre. Normalement, il y a de quoi les récupérer de la nourriture ailleurs. Il
Alors, on va juste décaler un petit peu tout ça. Je vais pas avoir... on est à quel âge? L'âge classique? Déjà, on va demander de nouveaux péons. Et je pense qu'il faut qu'on fasse en sorte que les productions se mettent en place. Je vais rapidement construire des bâtiments Ouais, je vais rapidement construire une académie militaire. Enfin, de quoi subvenir à nos besoins en termes militaires. Parce que sinon, on va avoir quelques soucis. Et là-bas, il y a des buissons à baies. Je pense qu'on va aller s'installer là-bas. Je vais mettre un grenier là-bas une fois que ça sera fini. Ah, putain, mais je suis bloqué. Il me cancérise, là. Fais-moi ça rapidement. Et ça devrait être bon. Alors, je suis un petit peu emmerdé parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils viennent pour brûler des gros paquets de bois. Et en plus de ça, j'ai laissé échapper un éclaireur. Du coup, ils risquent de m'attaquer à un moment. Et ça va vite faire très très mal, je sens. Ça va vite faire très 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 mal. Et j'ai rien du tout de prêt. Genre vraiment rien. Il devient urgent de faire quelque chose. Il me faut plus d'unités de guerre. Toc, je vais monter à 10. Là, au niveau de la nourriture, il y en a qui branlent rien parce que j'ai pas assez de bois pour construire les... Là, je suis un peu embêté. Parce qu'ils m'ont attaqué et ça me met en PLS et sachant qu'ils vont continuer de m'attaquer derrière. J'ai cru qu'ils étaient là, mais non, pas encore. Ça va être soon, je sens. Il faut que je sois prêt à réagir. Je suppose qu'ils vont arriver par là, sachant que j'ai pas le droit au mur dans cette mission. Donc, c'est pas super. C'est pas super sympa. Ne pas avoir le droit au mur, ça m'embête un petit peu parce que c'est... Bon, c'est pas game breaker, mais ça aide quand même beaucoup. Ça permet de sécuriser des pans du jeu plutôt simplement. Voilà, j'ai un peu peur. Toi, tu branles rien. Sachant qu'il me faut 1000 de bois. Ouais, c'est pas pour tout de suite, hein, les mines de bois, clairement. J'en ai encore pour un petit bout de temps. Ah putain, mais je suis maximum. Ah, je suis max. Et voilà, il va falloir encore que je réutilise du bois. C'est pas worth l'utiliser pour ça. Hein. Sans qu'ils sont 11 dessus, ils pourraient peut-être arriver à faire quelque chose. Ils sont en bas. Ils sont en bas et je suis pas du tout prêt. Et merde. Oh là 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 là. En plus, c'est des sacrés. Oh la vache. Oh là 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 là. Oh là là. V'là la bonne merde. Ah, je me suis fait défoncer. Nice. Ah, on a fini par les avoir. On a fini par les avoir, mais c'était compliqué, putain. Donc y'a plus personne au taf. Oh là là, et sans les murs, c'est la galère. Les genres de très haut level. Il faut que je refasse des unités de... Ah! Ah, saloperie. Saloperie. Il faudrait vite qu'ils me construisent tout ça, hein, tout simplement. Ah la vache. J'ai pris particulièrement cher. On va vite arriver... au maximum de bois, les 1000 nécessaires, et ensuite on va pouvoir enfin faire quelque chose. Oh la vache, pas ce qu'il y a de plus simple. Proceche, metalefs.
Allez, on va finir les maisons aussi, comme ça on aura un peu de pop de disponible. Tra la vache, j'ai tellement pas d'or. Nice, construisez le cheval de Troie. Ok, donc Aliva, elle va construire. Il faut plus de gens. Alors. D'accord, ça va être mégalon. Ça va être particulièrement mégalon. Alors déjà, hop, je vais mettre tout le monde sur le groupe. Je vais peut-être avoir besoin de plus de personnes pour construire. Ou alors je vais tout simplement attendre que le bois, j'en ai suffisamment pour directement l'envoyer, envoyer les constructeurs ici. Parce que là on en a pour un bon petit moment. Enfin, j'ai oublié de mettre ça. On va le mettre. Alors ils sont combien? Ils sont 11 au bois. Ou alors je vais peut-être te faire construire un ou deux bâtiments utiles militairement. Ouais, ouais, ouais. 11 alors. 11 au bois. J'ai augmenté ça. Ok, bon. Putain, mais ça coûte de l'or dans tous les sens. Je vais pas aller demander autre chose. Y'a pas que ça dans la vie. Alors faudrait peut-être que je construise. Je voulais construire ça aussi. Putain. Alors faudra vite les défoncer et faire en sorte qu'ils ne se barrent pas. Ne laissez pas les éclaireurs revenir à Troie ou ils nous attaqueront. Ah là 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 là. J'ai pas envie de subir une nouvelle attaque. Ah, c'est compliqué. Oh là là, ça me semble perdu. C'est con, ils vont exactement la même taille. Bon, on laisse tomber. Oh la vache. On laisse tomber. On va regrouper tout le monde ici. On va renvoyer tout le monde au taf. Donc on sait qu'il peut nous attaquer par le bas. Ouais, ça devient trop vite compliqué si on essaye d'attaquer par là. Il faut. Tiens, tu vas nous construire ça, s'il te plaît. Un éclaireur s'est échappé. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Oui, je sais, il va falloir que je me prépare à l'attaque vite, vite, vite. J'ai plus de place, en... Oh la vache. Ça va être compliqué tout ça, cette histoire. Bon. Soon, ils vont attaquer. Et ça va m'emmerder. En vrai, je pourrais bourriner et ça demande pas de bois. Allez, je vais tenter un truc. Déjà, tout le monde va se regrouper sous une seule et même bannière. Et je vais tenter de tous les mettre en mode construction là-bas. Alors toi, par contre, tu récoltes de l'or. J'ai plus rien du tout. Allez, à quelle vitesse vous pouvez construire ce truc? Prostagma.
Bon, là, je commence à avoir une petite armée. Ça peut être pas mal. En espérant que ça suffise. J'ai peur que ça va m'attaquer. J'ai peur de perdre énormément d'unités d'un coup. Aïe, 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 aïe. Ah bah, ça va quand même plus vite. À ce rythme-là, je dirais que dans une ou deux minutes, on a fini. Ah, je suis au max au niveau de la pop. J'attends. Là, j'attends. Mode méga stress. Là. Aïe, 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 aïe. Oh la vache, les lions de Némé, ça fait tellement mal. Ah, ça régénère pas, c'est pas instant. Bon. Nous avons réussi à survivre à cette attaque. C'était tendu quand même. L'armurerie a rien comme buff, c'est bizarre. Alors là ils sont à 800 PV, bon bah on va attendre, on va continuer d'attendre. Mettez le cheval en position, vite! Agamemnon, mettez hommes et navires hors de vue. Arcanthos, Ajax et moi nous monterons dans le cheval. À la tombée du crépuscule, vous reviendrez. Nous vous ouvrirons les portes. J'aime ton plan, Ulysse. Je reviendrai au crépuscule. Détruisons les portes. Ok, d'accord. Changement total de mission, on passe à ça. D'accord. Bon bah pourquoi pas hein. Corne d'abondance, et bah dis donc, ils s'emmerdent pas. Attendons ici que les gardes passent. Évitons de les combattre pour le moment. Oui, je suis d'accord, parce que vu la gueule des trucs. Allez, faut aller descendre jusqu'aux portes. Une merveille, ok. D'accord, bon, il y a un colosse ici, là-bas il y a un truc, il faut surtout pas que le colosse nous voit. La question c'est quand est-ce qu'il se barre, voilà, maintenant. Ouais. J'aurais voulu me repérer. Putain. Je suis complètement dans la merde. Alors heureusement que c'est des unités héroïques parce que ça peut faire, ça fait mal à ce genre de truc. Nice. Bon, par contre on s'est clairement chié hein, parce que du coup on doit affronter toutes les créatures ennemies. Pas worse. Heureusement qu'il régénère encore en la vie. Alors j'ai quoi? Utiliser les tours et les polices pour détruire les portes de Troie. On va y aller doucement. Ok, en fait ça passe. Pourquoi ces et les polices sont-elles dehors? Les ennemis en sont maîtres. Arrêtez-les. Eh oui. On les a un petit peu défoncés. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Poupou. Bip bip. Je ne sais pas conduire. Putain la vache. Comment elle s'est refoutue?
Comment elle s'est retrouvée là? Ah bah voilà. Ah merde. J'avais pas vu mais il se faisait défoncer. Allez, on va finir ça. Les dieux nous ont accordé deux météorites. Quoi? D'accord, ok, donc on n'a pas du tout fait la moitié de la, du quart de la mission. J'ai quoi? Deux météorites. Donc du coup on peut utiliser les météorites pour tout défoncer. Alors, une grosse armée. Nous avons une grosse armée de disponibles. Oula, 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 oula. Putain, les élèves police qui sont bloqués. C'est intelligent ça, tiens. On perd des unités bêtement. Mes pires trous du cul, quoi. Voilà, super, j'ai gâché des unités et... Hop. Voilà, j'avais juste mon portable qui faisait du bruit. Ah ben. Nice. J'ai caché toutes mes unités. Super. On va tellement galérer. Oh chute. Oh la vache. Heureusement qu'il y avait les trucs de bronze là. Alors vous, détruisez-moi ça. Et vous aussi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Les ombres d'Hadès? Alors attendez, je pense qu'on va utiliser une météorite par là. Pouvoir météorite. Ouh, oh, oh, d'accord, ok. D'accord, les types ont arrêté de déconner. Ah, ça tape aussi mes propres unités par contre. J'ai l'impression. Ah, attendez, on va soigner un petit peu rapidement toutes ces unités. Il en restera une dernière. C'est quoi, c'est un diplodocus? On se dégage, on va ici. On arrête de déconner vite. Bon, tant pis, ces unités-là, qu'est-ce que j'ai... Hop. Putain, j'en ai oublié une. Bon, c'était une catapulte, c'est pas très très grave. Bon, il me reste une météorite. Normalement, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Parce que là... Oula. Ok. C'était pas prévu, mais le mur a pris très cher. Ok. Alors. Allez, plus que ce bâtiment à défoncer. Et c'est vite fait en fait. Bon, bah finalement ça s'est plutôt bien passé, mais malgré un début un petit peu foireux, bah là c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Alors, la petite cinématique de conclusion. Maintenant, Arcanthos. Nous rentrons à Atlantis. Ça change de combattre les pirates. Mais je dois rentrer chez moi. Pirates ou pas, vous devez faire réparer vos bateaux. Vous pensez qu'ils ne tiendront pas jusqu'à Atlantide? Non.
Il y a un port non loin d'ici. Ioklos. J'y vais, je peux vous montrer le chemin et demander à quelqu'un de s'occuper de vos navires. La bonne mission filler. Des arbres qu'il dépasse. Et sa voix, grondant dans tout le jardin, est un tonnerre envoyé pour... Y a-t-il Khemsit ? Camos est rentré, général. Il a perdu le trident. Il dit que l'Atlantéen se dirige vers Troie. La bataille ne durera plus longtemps lorsqu'il aura rejoint les Grecs. Le siège de Troie est déjà terminé. Zeus peut encore intervenir ? Vous doutez de moi, Khemsit ? Non, tout se passe comme vous l'avez dit, la forteresse, le tunnel, Troie. Géants et génies, amalgame d'ailes et dieux, dont l'inébranlable obéissance rompt le ciel. Faites venir Camos, je veux lui parler. Oui, général. Il y avait donc quelque chose de caché derrière tout ça. Mais ça sera dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, tout ça. Voilà, je pense que vous commencez à connaître la chanson. Et puis, quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien !